Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nini. Voilà, pour cette petite vidéo, je vais vous présenter un petit haul de truffes. Alors désolé, il y a mon lutin qui est là, qui fait le bazar. Elle fait faire dodo. Donc voilà, un petit haul de Truffaut, donc j'ai été à Truffaut, j'ai acheté 2-3 petites bricoles. Je suis allée aussi à Orchestra et du pareil au même pour acheter des vêtements pour mes loupiottes. Donc c'est parti, on va commencer par Truffaut. J'ai pris une petite bougie, enfin petite, une bougie hein, de la marque Yucky Candle. Donc là c'est la Black Cherry. Donc moins clairement les fruits rouges c'est... Puis celle-là c'est... Ah j'adore. Donc voilà. J'en avais jamais eu en gros jar. D'ailleurs, j'ai jamais acheté de Yankee Candle de ma vie. Je crois que c'est ma première fois. Parce que moi, j'avais Bath & Body Works. Après, j'achète celle de Ikea. Après, voilà. Quand j'en vois comme ça, pas cher et tout, je teste. Mais c'est vrai que Yankee Candle, j'avais jamais testé. Donc là, du coup, je me suis lancée parce qu'à Truffaut, il faisait moins 20%. Donc du coup ça m'a fait moins 5 euros, ouais moins 6 euros. Donc voilà, bon. Sur une grosse jarre ça vaut le coup. Sachant que ça coûte quand même 29 euros. Ça coûte combien? Oui, 29,99. Donc moins 5 euros là-dessus, franchement, clairement. Je prends. Puis j'adore les bougies. J'ai pris des petits fils d'aluminium comme ceci. Voilà. Donc moi je fais aussi des petits tricotins. Là je me suis remise pour faire 2-3 petits trucs pour mes copines et pour moi-même aussi. Je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, ça c'était combien? Fil métal 2,50 €. Voilà, j'en avais presque plus donc il m'en fallait. On continue. Donc j'ai pris quelques petits lots de rubans comme ceci. Donc les rubans. J'y avais celui-ci qui était à... Alors, combien? Alors, je vais vous dire le prix tout de suite. Celui-ci, alors ruban dentelle, il était à 3,95 €. Donc je vais vous montrer ça. Hop, j'enlève le petit picot. Donc voilà, la petite dentelle comme ceci. Vraiment toute mignonne. Donc en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est ma copine Marjorie qui m'a donné cette idée-là. La petite attrape-rêve, tout en tricotant, pareil, tout le tour en tricotant, le prénom en tricotant au milieu. Donc là, vu que du coup, ça va être un petit diamètre, il va falloir que je fasse en sorte que le tricotin soit tout petit. Donc on va essayer de faire ça. Pour l'instant, je vais essayer de faire ça pour mes filles, pour tester, pour voir ce que ça donne. J'ai pris après, pareil, un ruban violet. Focus, il ne veut pas le faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les trois en même temps. Je pense que ça ira plus vite. Donc voilà. Mais je voulais aussi un violet mais beaucoup plus clair. Ah, comme ça, ça fait un petit match des trois. Je trouve ça sympa. Faire la trappe-rêve, le prénom au milieu. Je vais essayer de faire aussi des petits pompons où il faut que je trouve des petites fleurs à mettre en haut du cercle. Et puis je pense que ça va faire un petit truc sympa. Donc quand je l'aurai fait, je vous mettrai sur Instagram. La petite photo, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, ça je vous l'ai montré, c'est les fils. Alors, on va passer à tout ceci. Donc j'ai pris en fait un kit de maquillage pour le visage, pour les enfants. Donc je vais faire l'anniversaire, comme vous savez, je pense que je vous en ai parlé dans les autres vidéos, je vais faire l'anniversaire à Nora et du coup en activité je voulais, bien sûr avec l'accord des parents, maquiller les enfants. Faire un petit maquillage vraiment tout simple, je suis pas une experte là-dedans, loin de là, je suis même une grosse nulle. Mais un petit papillon, un petit cœur, un petit, je sais pas, faire un masque de super-héros ou une petite couronne ici genre Wonder Woman, je pense que ça peut être faisable. Et voilà, donc du coup bah, j'ai pris les petits pinceaux qui vont avec. Et aussi j'ai pris un petit gel à paillettes, voilà, pour pailletter tout ça. C'est vrai? Donc voilà pour Truffaut, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Mais il n'y avait pas ce que je voulais. Moi je voulais vous savez, un rond justement pour faire mon attrape-rêve. Pour pouvoir passer mon fil en tricotant dedans. Mais je crois que j'ai vu les ronds, vous savez, pour faire les rats de cou. Donc peut-être que je vais prendre ça et ça va peut-être faire l'affaire.
Mais il sera petit, c'est ça qui m'agace un peu, donc j'en voulais quand même assez grand. Ah, du pareil au même. Donc du pareil au même, j'en ai profité parce que quand je suis passée devant le magasin, hop, on va faire ça, il n'y aura plus de bruit. Je rigole parce que j'ai pensé à Mélanie de la chaîne Happy Together 17. J'ai eu un cadeau, une planche de stickers, et puis voilà ce que je vois. Elle m'a contaminée avec les pandas. Dès que maintenant c'est maladif, dès que tu vois dès que je vois un panda, je pense à Mélanie tout de suite. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de tout me cacher entre mes couettes. Elle me fait le bazar. Donc voilà. Donc à du pareil au même. Donc moi quand je suis passée devant, j'ai vu une petite affiche à l'intérieur. Bon, déjà je voulais y aller, c'était sûr. Et ils faisaient une promo en fait. C'est un article. Alors. On achetait un article, le deuxième en fait était à moins 50% sur des articles en fait signalés. Donc du coup bah, j'en ai profité parce qu'il fallait des gilets. Surtout pour Nora, il lui fallait un gilet parce que j'avais que un gilet blanc. Et voilà, gilet blanc franchement clairement à l'école elle va le salir, c'est pas possible. Puis ça va pas avec tout, l'automne je trouve que c'est pas top top top. Enfin, il me fallait un gilet. Donc du coup bah, c'était sur des articles avec ça. Voilà. Donc j'en ai profité, j'ai pris un petit gilet pour Nora, tout gris, avec un petit tigre ici, mais vraiment trop mignon. Voilà, c'est un gilet vraiment tout simple, donc il est assez épais. Donc à la base, il était quand même à 17€. Donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même épais, il est... Je sens qu'il va me... il tiendra là un bon moment, donc... Voilà. Et du coup bah, j'en ai profité, j'en ai pris un pour Sophia en noir. Parce que Sophia elle a des gilets, mais elle a que des gilets roses. Donc le rose, quand on fait une jolie petite tenue et que c'est un peu pas tout le temps habillé en rose, donc je trouvais que voilà, il fallait un gilet. En fait c'est l'excuse pour acheter un gilet. Donc voilà, bah du coup pareil, même punition que la grande sœur, il y a un petit tigre ici, mais vraiment trop chou. Quand j'ai montré à Nora, Nora franchement elle a adoré, elle a vraiment trouvé ça trop bon. En plus le gris, elle s'est dit stop. Elle dit maman t'as trop bien choisi. Et puis le petit détail que je viens de voir, c'est le petit bouton en fait avec une petite fleur. Donc il y est pas partout, mais vraiment trop mignon, c'est vraiment choubidou. Donc du coup bah, celui-là il m'est revenu, le deuxième m'est revenu à moins 50%. Et du coup j'en ai profité aussi pour Nora, il me fallait des culottes, donc j'ai pris un lot. Donc d'habitude je prends un Primark, mais j'en ai marre des culottes à Primark, parce que du coup moi je vais celui-là au Paris Nord, c'est celui qui est à côté de chez moi, et les paquets sont toujours ouverts, enfin à chaque fois j'ai la taille, le paquet est ouvert, et puis je sais pas, au niveau de la qualité c'est pas pareil. Bon après pour ce qu'ils vont en faire franchement, pour faire des pâtés dedans... J'ai envie de vous dire, ça sert à mettre le prix, mais bon. Je sais que Nora, du coup, c'est parce que ça fait, c'est pas culotte, ça fait un peu culotte shorty. Et elle aime bien. Donc voilà, enfin j'aime bien, c'est moi qui aime bien. Donc voilà, fantastique, magnifique, merveilleuse, magique et fabuleuse. Ouais, c'est tout elle, ça. Donc voilà, ce petit paquet était à 14€ quand même. Pour 4-5 culottes. Mais bon, allez. Et du coup, bah, en fait, ils m'ont offert un petit calendrier comme ceci. Et une petite planche de stickers. Donc voilà, ça, les filles, elles vont être contentes. T'as vu, regarde. Regarde, il y a un dinosaure. Regarde, oh, le dinosaure. Qu'est-ce qu'il fait, le dinosaure? Il fait... Dinosaure. Allez, vas-y. Donc voilà pour du pareil au même. Et on va continuer à Orchestra. Il y a la nouvelle collection en fait, ils font une collection mini avec les princesses et tout ça, et vraiment qui est très jolie. Bon, j'ai pas craqué dessus, j'ai pris autre chose, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on commence par... Ah si, bah oui, j'ai craqué ce... Je vous dis non, j'ai pas craqué sur du mini, sur du Disney. En arrivant à la caisse, grâce à ma copine Charlotte, et bah du coup, je vois une dame qui est juste devant moi qui avait pris ce survêtement là. Donc c'est un lot de survêtements. Donc je vous montre tout ça. Et je dis, oh, il est pas mal et tout, c'est vraiment canon. Et elle me dit, bah va le chercher.
Je dis, mais non, c'est bon, Nora, elle a déjà des survêtements pour l'école. Elle me dit, mais si, va le chercher, va le chercher. Puis moi, je suis faible, hein. Franchement, clairement, je suis faible, j'achète. Donc du coup, je me suis dit, ça fera un bel ensemble pour ma fille d'amour. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc ça, c'est la veste. Donc l'ensemble était à 17,98€. Alors je vous explique, la carte orchestra, à orchestra il faut une carte qu'on paye à l'année, donc je crois que c'est 30€ l'année. Et du coup en fait on a un prix, voilà, qui est ici, le prix pour tout le monde, et le prix ici quand on achète la carte orchestra. Donc du coup bah moi au lieu de le payer 35,95€, j'ai payé l'ensemble 17,98€. Donc voilà. Donc moi oui j'ai pris la carte orchestra. Et mais j'en avais profité parce que du coup j'ai pendant les soldes elle était à 10€. À côté, pareil, un dépôt qui est pas très loin de chez moi, Usine Center, des fois ils font des offres avec la carte. Donc du coup j'en ai profité, franchement. Voilà. Et depuis je vais souvent orchestra. Merci. Donc voilà un petit ensemble vraiment sympa. Avec la petite mini ici en broderie. I'm Dream. Et puis derrière, du coup, on a. Ce qui est canon, la mini qui, attendez, je me cale, hein, désolé, qui franchement, voilà, voilà, avec, vous savez, avec les espèces de sequins qui bougent tout le temps, et après du coup elle est comme ça, c'est noir, ouais, c'est bleu. Franchement, clairement, elle va faire son sport avec ça, elle va être canon, canon la Nora, donc... Clairement, franchement, pour 18€ avec le pantalon. Donc ça, c'est le petit cœur au niveau des fesses. Et au niveau des genoux, le petit cœur ici. Puis c'est bien, c'est canon. Franchement, là, ça va être mon mot, c'est canon. Ma chérie, elle va être canon. Moi, je vous le dis. Donc voilà pour l'ensemble. Donc maintenant que je vous ai expliqué le système des prix, comme ça, moi, vous connaissez. Je vais vider le sac, ça sera plus simple dans mon cœur. Donc pareil, pour mes deux filles, j'aurais pris un jeans. Donc c'est le même, je vous en montre qu'un. Mais j'aurais pris exactement le même chacune. Donc il était à 5€. Il est, ils sont slim. Donc c'est vachement très bien. Puis moi ce que j'aime bien en fait, c'est que il y a l'élastique à l'intérieur pour serrer. Ça c'est vraiment pratique. Ils sont scratch. Donc ça j'adore aussi. Et pour 5€ un jean, franchement ça vaut le coup. Ça vaut vraiment les jeans qui sont à Primark. Et là et du coup il sera un peu plus solide quand même. Sur la Primark du coup j'avais acheté un pantalon à 8€. 5€. Voilà. Donc un pantalon chacune. Puis du coup vu que je sais que j'aime bien acheter la même quantité pour les deux, du coup j'achète toujours... la même chose. Donc pareil, là j'ai pris la même chose pour les deux. Donc un pour Nora et un pour Sophia. Je vous montrerai celui-là, Sophia, parce que c'est plus petit, ça rentre mieux en caméra. Donc pour Sophia, du coup, hop. Donc ça c'était en tête de gondole, c'était à l'entrée du magasin. Et franchement, clairement, c'est vraiment canon. Je trouve ça vraiment joli. Limite en tatouage. Ah ouais! C'est une bonne idée. Donc pareil avec les petites épaules comme ça. Et ça c'était 5,98€. Donc un chacune. Après des fois oui je peux m'amuser à les habiller pareil, ça, on aime bien aussi. Mais des fois dépareiller, pas obligé de les habiller toutes les deux comme ça. J'ai pris pareil parce que ça j'adore le pull, je le trouve trop mignon. Voilà, un petit pull comme ceci, un peu style marinière. Voilà, qui était lui à 10,50€. Et vous avez vu en fait au niveau du noir il y a comme des petites paillettes comme ça. C'est franchement donc pareil les deux elles ont le même. Mais moi j'aurais bien aimé en fait il y en avait un quand, le même que celui-ci mais à la place du rouge c'était un jaune orangé un peu comme ceci. Petit jaune moutarde qui était vraiment sympa mais il n'y avait pas la taille de mes filles. Donc bon tant pis hein, elles auront le même. Ça c'est pour Sophia, je lui ai pris un petit t-shirt comme ceci. Avec Elsa de la Reine des Neiges. Et pareil avec les petits sequins qui bougent aussi. C'est vrai. Donc voilà, les petits sequins qui font comme ça.
ou comme ça. Voilà, et franchement, clairement, il est trop mignon. Et il était à 6,50€. Et pour Nora, du coup, je lui ai trouvé celui avec Mini. Et pareil, le Mini, du coup, hop, que je vous montre les petits trucs, du coup, les sequins. Alors ça, c'est vraiment à la mode. Ça a commencé déjà l'année dernière, j'en avais vu à Kiabi. Et maintenant, quasi, presque tous les magasins le font. Au grand désespoir des profs, je crois, parce que... Moi, je me souviens en maternelle, l'année dernière, la maîtresse m'avait dit « Peut-être éviter, hein ?» S'amuse toute la journée à faire ça. Donc là, bah du coup... Mal barré avec tout ce que j'ai pris. Hein. Donc voilà, et puis j'ai pris aussi des petits chaussons. Pour ma Sophia, franchement, ils sont... Oui, mon amour. Bah, va demander à papa, il est en bas. Va voir papa, demande à papa. Tu dis, s'il te plaît, papa. Donc, je vous ai pas dit, celui-ci, en fait, c'est avec la tête de Mini. Il était à 7€. Donc, hop, je reviens avec mes petits chaussons. Donc, voilà, les petits chaussons pour Sophia. Vraiment trop chou, parce que moi j'avais pris il y a pas longtemps à Primark avec Marie des Aristochats, et elle s'amuse à essayer de me les mettre, elle se balade avec dans la maison, et je pense que clairement elle va adorer quoi. Donc là les chaussons ils étaient à 6,26€, donc c'est le prix des chaussons en fait, hein, donc voilà. J'ai pris en quelle taille, en 24? En 24. Donc voilà. Ah oui, pour terminer aussi, j'ai pris des brassières pour Sophia. Voilà. Donc des petites brassières, c'est un lot de deux brassières. Donc c'est plutôt en fait pour mettre en dessous des t-shirts et puis surtout pour faire comme la grande sœur. Je suis pas adepte de trucs comme ça, mais bon, je me dis... C'est la première fois que j'ai envoyé pour sa taille. Je me dis plutôt l'été. Je me dis peut-être en dessous d'un petit haut et tout, donc pour l'été prochain. Ah mais elle aura 3 ans, j'aurais dû prendre 3 ans. En dessous d'un t-shirt. Ou je crois qu'à mon avis, mon mari va voir ça, il va le foutre à la poubelle, clairement. Il va me dire, j'ai encore acheté une grosse connerie. Hein. Et ça, j'en suis sûre qu'il va me le dire. Je pense qu'il vous mettra un petit message pour ce qu'il en pense. Parce qu'il regarde les vidéos, il fait les montages avec moi. Enfin non, c'est lui qui fait les montages. Donc il vous dira ce qu'il en pense, mais il va me tuer. Il va me tuer, moi je vous le dis. Donc voilà pour mes achats de Orchestra. J'ai fini de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait de tout ça. Si vous allez aussi dans des magasins, et si vous avez des magasins, des idées de magasins à me proposer, qui peut être sympa pour les enfants. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, je serai ravie de vous lire et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye !